Il va toujours falloir de toute façon payer le prix aujourd'hui pour que tu puisses te payer n'importe quel prix dans le futur. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être libre, jouer avec moi, d'être déterminé, pouvoir voyager où tu veux. En gros, être libre en fait, tout simplement. Parce que j'ai envie de te dire, là tu le sais pas, mais en fait tu es esclave là. Esclavage moderne. Voilà, mais tu n'es pas au courant. Mais esclavage moderne les gars, hein. Esclave de l'argent. Si jamais tu veux être libre, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, ok, moi je conseille le business en ligne. Pour moi, c'est le meilleur chemin pour pouvoir bouger. Déjà, le fait que tu aies un business en ligne, avant même de devenir libre, je veux dire libre financièrement, bah déjà tu es libre géographiquement. Donc ça déchire, ça veut dire que tu peux déjà commencer à kiffer, commencer à voyager, te déplacer. Et sache que voyager, ça coûte moins cher que de rester là où tu es. Parce qu'en général, l'euro est plus fort que toutes les monnaies, là, pratiquement toutes les monnaies où tu vas, dans les pays où tu vas aller voyager. J'ai du mal là. Ok, donc moi j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Ok, et j'ai lancé mon business en ligne sur le saxophone en 2016. J'ai fait 20 000 euros en une semaine. Ok, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Arrête de chercher des excuses, je te le dirai à chaque vidéo. Et je l'ai fait et d'autres l'ont fait aussi. Donc les gars, et les gens qui ont suivi mes stratégies. Donc les gars, de toute façon, vous avez tout en description si jamais vous voulez aller plus loin. Chaque jour, 183 personnes deviennent millionnaires en France. C'est comment les gars? Je suis tombé sur cette statistique là. Je me suis dit 183, c'est-à-dire 183 peut-être à l'année? Non, non, non. 183 millionnaires par jour en France. Et ça, c'est en France, hein. Ok, ça c'est en France, donc imagine les autres pays. De toute façon, je pense que je vais revenir après. Oui, tout à fait, je te dirai ça juste un petit peu après. Donc ça veut dire quoi les gars? Ça veut dire qu'en gros tout est possible. Ok, ça veut dire que tous les gens qui souhaitent par exemple devenir astronaute, qui veulent devenir musicien professionnel, qui veulent devenir sportif professionnel de haut niveau, tout ce que tu veux, c'est possible. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est quoi le rapport avec l'argent? Bah, j'y arrive, mais comme je sais que les gens sont un petit peu sensibles au niveau de l'argent, je leur donne un exemple qui sont facilement assimilable, acceptable, tu vois. Voilà, comme ça ils sont bien, ils se disent, ah ouais, c'est vrai ça, c'est vrai que oui, je peux être astronaute, oui, c'est bon, ça c'est vrai, ça c'est bon ça. Et donc du coup, je fais la transition, chut, hop, pour pas qu'ils le sentent arriver. Et aujourd'hui, tous les gens qui regardent cette vidéo peuvent devenir millionnaires ou multimillionnaires. Est-ce que tu crois que c'est vrai ou pas? Eh ben voilà, eh ben on y est, c'est ça le problème, c'est que tu crois que c'est pas vrai. Tu penses que c'est pas possible. Donc déjà, si tu penses que c'est pas possible, déjà t'es cuit d'avance. Avant même d'avoir commencé une seule action, t'es déjà cuit d'avance. Parce que si tu penses que c'est pas possible, tu vas pas le faire. Donc 183 personnes par jour sont devenues millionnaires en 2019 en France. En France, moi j'ai pas réussi à trouver des statistiques plus récentes. Mais bon, ça te suffit, 2019 c'était pas si loin que ça, hein. La France est le cinquième pays où il y a le plus de millionnaires. Donc les gars, t'imagines? Cinquième pays quand même, hein. On dit ouais la France c'est chaud et tout, non, mais quand même cinquième pays, hein. Donc cela place la France en cinquième place des pays abritant le plus de millionnaires de la planète. Ah là 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 là, de la planète mon gars. Il faut bien te préciser parce que sinon j'aurais pas su moi. J'aurais dit ah ouais mais d'où ils viennent alors? Donc merci les gars. Après les États-Unis, enfin après les États-Unis, ah ouais, après les États-Unis où il y a quand même 5 322 000 millionnaires, ok. Après il y a le Japon, donc les États-Unis sont les numéros 1, t'as compris, hein. Pas pour rien les gars. Après il y a le Japon, ouais, tu t'y attendais pas au Japon, hein. 3 151 000 millionnaires. Après, il y a les Allemands, discrets les Allemands, mais présents, qui sont du coup 3e place du podium avec 1 350 000 millionnaires. Et la Chine, hein, bon, on s'y attendait quand même, hein. Et la Chine qui ont 1 189 000 millionnaires. Et la France qui est quand même à 702 000 millionnaires. Donc, ils sont 5e, mais. Cinquième, ils sont même pas au million quand même, hein. Ils sont quand même loin comparé aux États-Unis où il y a 5 millions de millionnaires. Donc concrètement, face à ces chiffres, les gars, déjà, premièrement, il n'y a pas d'excuse de se dire, à un moment donné, s'il y a 183 millionnaires qui arrivent chaque jour, si toi tu es en France normalement, en général, j'ai envie de te dire, il y a bien moyen que demain,
Bon, peut-être pas demain, à moins que tu t'es déjà lancé. Mais si tu pars de zéro, il y a quand même moyen que peut-être que dans un an, ça soit toi qui soit dans les 183. Voilà, mais il faut se lancer. Hein. Pour ça, il y a les formations offertes, les gars. Hein. Je te montre déjà comment faire, comment j'ai fait 20 000 € une semaine. Ça, c'est déjà un premier pas. Parce que c'est bien d'être millionnaire, mais déjà, si tu n'arrives pas au million, mais si je peux te dire que déjà, si jamais tu fais 5K, même 10K par mois, je peux te dire que ta vie, elle a changé. Hein. De toute façon, je pense que tu en prends conscience. Donc concrètement, tous les gens qui regardent cette vidéo peuvent être millionnaires. Il y a assez d'argent dans le monde pour que tous les gens qui regardent cette vidéo puissent devenir millionnaires. T'es maintenant, t'es libre de le croire ou pas, de dire « mais non, qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi ?» ou t'es libre de le croire. J'ai pas dit deux fois « t'es libre de le croire ?» Ah ben, c'est pas plus mal. Donc c'est simple, pour devenir millionnaire, il va te falloir trois choses. Le bon véhicule. Donc, après, quand je dis millionnaire, c'est t'enrichir, être libre, d'accord, on va dire libre financièrement, voilà, comme ça va te détendre. Oui, non, mais moi, j'ai pas forcément envie d'être millionnaire. T'as raison. Donc, déjà, on va dire libre, ok, t'es libre, tu t'enrichis, tu fais de l'argent. T'as pas de problème d'argent, ok. Donc, déjà, première chose qu'il va falloir, c'est choisir un véhicule. Si t'as pas le bon véhicule, ben, ça va pas aller. Ça veut dire qu'il faut que tu choisisses le véhicule qui te correspond. Il y a plusieurs véhicules hein, pour s'enrichir. Hein. Tu peux créer ton business en dur, tu peux acheter des franchises, tu peux faire du e-commerce. Moi, j'ai choisi Influenceur 2.0, okay, parce que pour moi, il n'y a pas plus puissant. Il n'y a pas plus puissant que le mode Influenceur 2.0. Ça te rapporte des opportunités, de l'argent, de l'influence. L'influence, c'est là où l'argent suit l'attention. Donc, vaut mieux être là où l'attention est. Et en ce moment, l'attention est sur les réseaux. Donc, si jamais tu ne sais pas comment gérer les réseaux, tu passes à côté d'une grosse opportunité. Et c'est pour ça que tout le monde est sur les réseaux, quels que soient les entrepreneurs. Bref, tout ça pour te dire qu'il faut que tu choisisses un véhicule. Après, ensuite, il faut que tu aies quelque chose à vendre. Parce que si jamais tu n'as rien à vendre, tu fais comment ? Parce que des fois, les gens, c'est pour ça que des fois, il y a de la confusion. Les gens, ils tombent dans des panneaux, genre de trucs pyramidales ou de trucs, tu appuies sur un bouton, tu deviens riche. C'est parce qu'ils n'ont juste pas le concept que l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Ou ceux qui prient ou qui jeûnent là, pour que l'argent tombe du ciel ou qui font la loi d'attraction et pour ce que l'argent va venir comme ça. Oh, ça veut dire qu'il y a déjà il y a un problème de compréhension sur comment on fait de l'argent. L'argent, il circule, ok. Tout le monde a de l'argent, l'argent circule. L'argent circule comment? C'est-à-dire que moi, je reçois de l'argent, boum, je vais acheter à manger à l'épicerie. Le propriétaire de l'épicerie va payer son propriétaire de logement. Le propriétaire de logement va acheter une Porsche, voilà. Et le Porsche, il va, je sais pas, tu vois. Donc, l'argent, en fait, ça circule tout le temps. Là, c'est ce concept. C'est pour ça que les gens, c'est pour ça qu'il y a de l'argent pour tout le monde. Et c'est pour ça que tout le monde peut s'enrichir parce qu'en fait, l'argent circule. L'argent ne reste pas à un endroit et il ne bouge plus. L'argent, il circule constamment. C'est à toi d'être sur le chemin de l'argent. Donc, si jamais tu as compris que pour pouvoir faire de l'argent, il faut forcément avoir quelque chose à vendre, eh ben, tu ne peux pas penser à des trucs magiques, tout l'argent va tomber du ciel, des trucs comme ça. Ça va, les gars, arrêtez. Donc, quelque chose à vendre, c'est quoi? Service, produit, etc. Tout ce que tu veux. Ensuite, une fois que tu as quelque chose à vendre, il te faut des clients. Ah ouais, et ça, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est le plus compliqué hein, parce que concrètement, même si tu as un produit moyen, tu peux faire beaucoup d'argent. Ça pose pas de soucis. D'ailleurs, on le voit bien puisque tout ce qui est low cost, c'est des produits moyens et pourtant, ils font de l'argent. Hein. Et après, le quatrième, c'est surtout ce qui fait aussi le plus défaut. Je pense que c'est là que c'est le point le plus névralgique qui fait que tout le monde se casse la figure. C'est le mindset, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça veut dire quoi? Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce qu'il y a eux et il y a nous? Choisis ton camp. C'est juste ça. Ok? Parce qu'une fois que tu as le bon mindset, tu sais que tu peux charbonner pendant 5 ans, 10 ans tant que tu n'as pas atteint ton objectif. Et quand tu as le mindset pour dire vas-y, je vais te charbonner pendant 5 à 10 ans pour pouvoir atteindre mon objectif, eh bien ça arrive avant. Ok? Mais ceux qui se disent ouais, moi dans un an je suis millionnaire, ils sont cuits. Ils sont cuits. Parce qu'ils vont être déçus. Rares sont les personnes qui arrivent à le faire. Si tu arrives à le faire, faut faire attention de ne pas prendre les épiphénomènes, les gars, pour des choses générales. Si déjà en 5 ans, tu vides ton business. Voilà. Dis-toi que voilà. Après, ça peut arriver largement avant. Moi, j'ai été coaché, c'est arrivé largement avant. Ça arrivait en moins d'un an. Mais ça dépend. Tu vois. Ça dépend de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 5 ans, si tu restes déter, en 5 ans, c'est largement, tu vis largement de ton business. Donc en gros, si jamais il te manque un des 4 points que je viens de te citer,
eh ben, t'es cuit. T'arriveras pas à t'enrichir. Sauf c'est simple que ça. Si te manque un des quatre, tu peux pas. Si jamais tu as déjà les quatre, c'est qu'une question de temps, soit patient, persévère. Okay. C'est peut-être un classique, peut-être que tu l'entends tout le temps, peut-être que tu aimerais entendre autre chose. Tu aimerais que je te disais, eh ben c'est bon, ça va sauter, ça va péter. Ah ben non, ça va péter demain à 2h40. Non, c'est juste que tu fais les actions, tu persévères, tu es sur le bon chemin. Okay. L'argent, tu es d'abord riche à l'intérieur et après ça va se manifester à l'extérieur, mais ça prend du temps. Donc dis-toi que tu es déjà riche à l'intérieur. Okay. Si jamais tu es dans cette configuration, c'est juste qu'il ne faut pas que tu lâches. Donc si tu veux lâcher, lâche, tu vas faire quoi après? Tu vas retourner là où tu étais avant? C'est ça que tu veux? À quoi ça sert? Donc continue, regarde les progrès que tu as fait par rapport à la veille, avance, avance, persévère, passe à l'action massivement, lâche rien, ok? Vise pas l'objectif final, vise les actions. Ok, demain je fais telle action, demain je fais telle action, demain je fais telle action. Et sois satisfait du fait que tu as été productif, ok? Et ça va arriver, juste lâche rien. Et après, tu me verras un message et je te ferai une interview. Parce que Jeff Bezos, par exemple, avant d'être milliardaire, il pensait déjà être milliardaire. D'accord ? Il a pensé avant à être milliardaire, avant d'être milliardaire. Que souvent, les gens ont un problème, c'est encore l'état d'esprit, c'est qu'ils attendent d'être la personne pour pouvoir dire qu'ils sont cette personne. Tu vois, par exemple, si tu veux être billionnaire, il y en a, ils vont dire, ouais, ils vont pas dire, ouais, je suis billionnaire aujourd'hui. Enfin, je suis milliardaire, excuse-moi. Je suis milliardaire. Ils vont pas oser dire, ouais, je suis milliardaire, pour pouvoir conditionner son cerveau à le devenir, tu vois. Ils vont pas le faire parce qu'ils disent, ben non, je suis pas encore. Tu vois, donc du coup, ils agissent pas en tant que tel, en fait. Donc en fait, ça n'arrive jamais que quelqu'un devienne quelqu'un sans avoir pensé l'être avant. Je répète. C'est jamais arrivé que quelqu'un devienne quelqu'un sans avoir pensé l'être avant. Hein, Will Smith, je sais que vous aimez quand je parle de Will Smith, c'est pour ça que j'en parle dans toutes mes vidéos. Will Smith, avant d'être l'acteur qu'il est, il a déjà pensé à l'être avant de le devenir. C'est pour ça que je vous dis que si jamais déjà à la base tu penses que c'est pas possible, bah, tu vas jamais t'enrichir en fait. Parce que tu penses déjà qu'à la base c'est pas possible. Warren Buffett, il pensait déjà à être milliardaire, j'allais dire billionnaire, à être milliardaire, avant de devenir milliardaire. Okay? Et ça fonctionne pour tout. Tu deviens un grand musicien quand tu penses déjà que tu es un grand musicien. Moi, quand j'étais flingué, tout le monde se moquait de moi, je pensais déjà que j'étais un grand musicien. Et après, c'est venu avec le temps, tu vois. Mais c'est toujours, ça commence dans la tête. Tout ce qui se passe commence dans la tête de quelqu'un. Tout ça pour te dire quoi? Tu es l'actif qui changera ta vie. C'est pour ça qu'il faut investir en toi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Personne d'autre le fera pour toi. Donc si jamais tu n'as pas les bonnes informations et si jamais tu ne décides pas de qui tu veux être et de penser que tu l'es déjà, ben c'est cuit. Tu es la seule personne qui te fera passer de la pauvreté à la classe moyenne, à la classe au-dessus de la moyenne, à gagner 10 000 euros par mois. Parce que 10 000 euros par mois en France, ben du coup, tu es considéré comme une personne riche. Parce que je crois que c'est 20% de la population qui gagne 10 000 euros par mois. Mais il n'y a que toi qui va pouvoir te faire passer chaque étape. Donc qui aujourd'hui veut prendre la décision de devenir riche? Ah, c'est dur à dire, hein. C'est dur, hein. Qui veut prendre la décision de devenir riche aujourd'hui? Donc, tout commence par une décision. Tu prends la décision, ok, je veux devenir riche, et demain tu reprendras cette même décision et tu la reprendras tous les jours. C'est ça la clé. C'est pas genre, ouais, je veux devenir riche, et puis demain tu as déjà oublié ta décision. C'est ce qui se passe avec les gens qui, en début d'année, tu vois. Ah oui, je veux faire du sport, ah oui, je veux avoir les abdos, ah oui. Ils prennent la décision le 1er janvier, ouais, mais ils la renouvellent pas. Donc, il faut renouveler votre décision tous les jours. C'est pour ça qu'il faut faire les autosuggestions tous les jours. Une fois que tu as pris la décision, fais attention à ton entourage. Entoure-toi des personnes qui ont le même état d'esprit que toi. Sinon, ils vont te tirer vers le bas. C'est malheureux, même si c'est des gens proches, des amis d'enfance, c'est la famille. Si jamais ils n'ont pas le bon état d'esprit, ils vont te tirer vers le bas. Tu ne peux pas fonctionner, penser comme les gens qui sont autour de toi s'ils n'ont pas les résultats que tu veux. Sinon, tu auras les mêmes résultats qu'eux ont dans leur vie. Donc, il faut qu'ils te trouvent malade, en fait. Il faut qu'ils trouvent que tu es fou, que tu prends des risques, que c'est n'importe quoi ce que tu dis, ce que tu penses. S'ils trouvent que c'est « Oh non, c'est normal. Non, tous ensemble. D'ailleurs, moi aussi, je vais le faire. » Non, c'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. Tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes que les gens qui sont autour de toi si ces personnes-là n'ont pas les résultats que tu veux. Parce que des fois, les gens disent « Ouais, mais pourquoi les riches, ils traînent que ensemble ?» Ah oui, les riches, ils traînent que ensemble, mon gars. Pourquoi ils traînent que ensemble? Parce qu'ils n'ont pas envie d'être entourés, pas parce qu'ils ne veulent pas se mélanger.
Parce qu'ils ne veulent pas s'entourer, déjà parce qu'ils n'ont plus le même centre d'intérêt. Les mêmes jeux, quand centre d'intérêt, ça veut dire pas genre, ouais, maintenant ils jouent au golf. Non, c'est genre, bien que ça peut être vrai aussi, mais c'est surtout que bah, je pense qu'au niveau des centres d'intérêt, des conversations, bah, c'est plus les mêmes. Ça a changé, tu vois. Et ils n'ont pas envie d'être entourés de personnes qui ont des bullshit qui vont le tirer vers le bas. Et ça, tu le vois, plus tu fais des interviews, tu le vois ça. C'est pour ça que tu peux voir des gars comme Jay-Z, un gars, un ancien dealer de drogue, si c'était vraiment vrai ça d'ailleurs, un ancien rappeur en tout cas, qui vient d'un milieu social qui n'a rien à voir, parler avec des Warren Buffett. Ils viennent complètement de deux milieux différents, mais c'est quoi qui les rassemble? Bah, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit de vouloir tout péter dans cette vie, tu vois, et de s'enrichir et de gagner grave de l'argent. Donc fais attention à ton entourage. Moi j'ai grandi à Évry dans le 91, à Évry au quartier des Pyramides. C'est toute mon enfance que j'ai fait là-bas. C'est cool, tu vois. Je regrette pas. J'ai passé des bons moments. C'était cool, ok. Mais c'est pas un entourage qui m'aide. Les gens qui étaient autour de moi, c'était pas un entourage qui m'aidait en fait. Pour moi, quand j'étais à l'école, c'était la normalité de pas avoir de bonnes notes à l'école, quoi. Je veux dire, je me sentais pas bizarre de ne pas avoir de mauvaises notes à l'école. C'était l'entourage, c'était normal, c'était la norme, c'était la normalité. Il y en a qui gagnaient, qui avaient des bonnes notes des fois. Je dis, oh, j'avoue, mais c'était la normalité, tu vois. J'ai fait 4 ans, j'ai fait 5 ans en Guadeloupe. Hein, je t'en avais parlé par rapport à mon parcours là. Bon, tu iras voir ma vidéo où j'explique ça en vidéo d'accueil sur ma chaîne YouTube. Et du coup, j'ai fait 5 ans. J'ai fait 5 ans en Guadeloupe. Bon, c'était pas un environnement pour moi. Ça correspondait pas du tout à un entourage qui pouvait m'aider à évoluer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est fais ce qu'il y a à faire. Fais tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ton objectif. Si jamais tu veux t'enrichir, il faut pas avoir honte de dire oh, tu veux t'enrichir. Parce qu'il y en a, ils se sentent plus à l'aise de dire ouais, je veux sauver le monde, je veux sauver le monde. Mais déjà, tu t'es même pas sauvé toi, tu veux sauver le monde. T'arrives même pas à te sauver toi, à sauver tes finances et tu veux sauver les gens. Sauve-toi d'abord toi et après tu vas sauver les gens. C'est comme dans l'avion, c'est pas quand il y a un problème, tu mets pas l'oxygène tu mets pas l'oxygène à ton enfant en premier, hein, même si ça paraît contre-intuitif, tu mets d'abord l'oxygène pour toi et après tu mets pour ton enfant. Ok, parce que si tu meurs et que l'enfant est récivant, ça sert à quoi? On n'est pas dans le bon truc là. Ça n'a rien à voir les gars. Donc gérez-vous vous-même. Ok, faites ce qu'il y a à faire. Si jamais il faut que tu changes de pays, s'il faut que tu ailles à Dubaï, s'il faut que tu ailles, j'en sais rien, moi, il faut que tu ailles aux États-Unis, s'il faut que tu ailles à Londres, bon, j'avoue, les États-Unis, c'est un peu chaud. Mais si va où il y a les opportunités. S'il faut que tu te déplaces, tu te déplaces. Fais ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ton objectif. Ok, le monde n'est pas assez fou pour pouvoir récompenser des gens qui ne font pas d'efforts, qui ne méritent pas ce qu'ils ont. Il n'y a personne qui a quelque chose qui ne mérite pas. Tout ce que tu as dans ta vie, tu l'as mérité. Il n'y a rien qui est tombé du ciel. Bah c'est pareil pour tout le monde, les gens qui sont riches, c'est la même chose. Il va toujours falloir de toute façon payer le prix aujourd'hui pour que tu puisses te payer n'importe quel prix dans le futur. Et pour ça, il faut que tu passes à l'action massivement, ok? Et il faut avoir les bonnes informations, parce que si tu passes à l'action massivement sans les bonnes actions, tu fais comment? Tu passes à l'action, tu vas là-bas. Je l'ai fait pour le fitness. Je suis passé à l'action massivement, j'ai fait des trucs, etc. J'ai voulu faire à ma façon, etc. Bah, ça m'a donné des résultats. Mais que je ne voulais pas, ça m'a emmené quelque part où je ne voulais pas. Quand j'ai eu les bonnes informations, j'ai suivi la bonne diète, j'ai fait le bon programme, ben, en une semaine, j'ai vu le changement. C'est pareil, il y a ma formation Influenceur 2.0. Influenceur 2.0, si jamais tu veux gagner de l'argent grâce à YouTube, Instagram, grâce à Internet, toutes les stratégies, que ce soit pub YouTube, que ce soit de manière organique, comment convertir, comment gagner de l'argent, toutes les façons de gagner de l'argent, tout expliqué étape par étape. Ok, il y a trop de contenu, ça sert à rien que je le détaille maintenant. T'as tout dans le lien qui est juste en dessous. Eh ben, il y a des gens qui vont peut-être dire, ouais, comment les gens sont assez fous pour prendre la formation Influenceur 2.0, ils sont complètement malades, etc. C'est n'importe quoi. Il y a des gens qui vont penser ça, tu vois. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que pour pouvoir arriver en haut du sommet de la richesse, d'accord, ou pour pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé, il va falloir faire des choses que les gens considèrent comme fous à leurs yeux. Surtout quand c'est des gens qui sont pauvres. Surtout quand c'est des gens de la moyenne. S'il y a des gens de la moyenne qui te disent ce que tu fais, c'est n'importe quoi, tu es fou, tu te fais avoir ou c'est n'importe quoi, tu prends trop de risques ou je sais pas quoi. Si c'est des gens de la moyenne qui te disent ça, dis-toi que tu es sur le bon chemin. Il n'y a personne qui arrive à réussir sans passer pour un fou, qui ne fait pas des choses folles. Ok les gars, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'es vénère, parce que
Je sais pas pourquoi t'es vénère en fait. En fait, on comprend pas. On sait pas en fait. Donc les gars, 183 millionnaires chaque jour, les gars. 183 millionnaires chaque jour, les gars. Ok, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. T'as la masterclass où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Ceux qui veulent passer directement à l'action et charbonner, avoir des résultats dans 6 mois à 1 an, si tu fais les choses bien, que tu suis exactement Influenceur 2.0, tu peux y avoir accès, tu es libre d'y avoir accès. Le prix, c'est un prix super accessible. Ok, j'ai fait ça exprès pour que tout le monde puisse se lancer. Ok, donc t'as pas d'excuses en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp.